Allemagne, Pologne, Islande, France. Quatre délégations internationales, quatre équipes juniors ont fait trembler ce week-end le sol des gymnases de hand en Val d'Oise. Pour sa 10e édition, Pierre Tibi, le tournoi international jeune de handball, s'est tenu à Aubonne et à Saint-Brice. Tremplin majeur pour la carrière de ces jeunes espoirs, l'événement permet aux sportifs de moins de 19 ans de se constituer un premier palmarès. Et d'année en année, le tournoi a pris un peu de corps, est devenu de plus en plus réputé et a fini par devenir un tournoi qui a quand même une place assez importante, en tout cas au niveau des jeunes. Il y a plusieurs joueurs de l'équipe de France actuelle qui sont passés par le Tibi. Il y a William à Cambrai, Samuel Rubia, Quentin Mahé qui vient d'intégrer l'équipe de France, Mathieu Gribig. Donc c'est un tournoi qui promouvoit la formation française et qui permet aux jeunes de pouvoir s'étalonner par rapport aux formations internationales. Briller au niveau international, au même titre que les experts, c'est bien le rêve de chacun de ces joueurs. C'est le cas de Rudy, capitaine de la délégation française moins de 19 ans, conscient que ce tournoi valdoisien peut ouvrir de grandes portes. Je pense que c'est déjà un prestige de pouvoir faire un UTV déjà. En plus, le groupe s'est renouvelé, donc pour les jeux, pour les nouveaux qui sont là, c'est aussi un plus. Donc je pense que c'est le tournoi le plus important en France déjà, donc c'est déjà un privilège. Déjà nous permet aussi de jouer à domicile devant notre public, de rencontrer aussi des vraies équipes qui sont assez fortes. Si en 2011 la France raflait le titre, cette année c'est l'Allemagne qui a gagné le tournoi.